Salut Godédé, ça va? Je vais baisser la musique. Est-ce que ça va le volume là? Normalement, ça devrait aller. Je vais peut-être pas très fort. Bon, on verra. Peut-être que vous entendez rien. On peut venir ici directement. Salut! Comment ça va? Pour l'instant, un spectateur, t'es le seul. Alors, c'est léger. Ok, je vais rajouter un peu alors. Là, ça doit aller, je pense. Sur téléphone, en tout cas. Ok, d'accord, ouais, t'es sûr. Bon, je vais augmenter, de toute façon, je pense qu'il y en a qui me diront si c'est trop fort. J'ai dit que t'étais tout seul, mais en fait, non, vous êtes deux. Alors, j'ai déjà lancé l'appli. Je vais faire des parties assez tranquilles, je pense. 20 minutes. Je vais lancer ça direct, en fait. Allez. Et on peut mettre ça. C'est bien affiché. Ouais, nickel. Je suis noir. On va faire juste un petit hoshi. On met les coordonnées. On va faire double hoshi. Tu fais Komoku. Ok. Ah là, j'ai bien envie de jouer au Go là, pas mal, puisque j'ai eu le deuxième tour du championnat de France à Rennes là ce week-end. C'était fort sympathique. J'ai fait 2 sur 4, donc je suis assez satisfait. J'étais vers le milieu de tableau, donc c'est logique. J'ai pu avoir des parties super intéressantes. Parce que j'ai les deux défaites, en fait, c'est contre un 4 Dan FFG et un 3 Dan FFG. Je suis bien fait défoncer, mais les parties ont duré 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. J'étais pas mécontent. C'était sympathique. C'est des bonnes expériences. D'ailleurs, je les ai notées. Peut-être qu'on pourrait les regarder après. Je sais pas. Alors, il m'approche ici, ok. On est solide là, donc on va juste défendre tranquille. Comme ça, on se laisse le plus de possibilités possibles en termes d'approche. J'aimerais bien approcher de ce côté, en fait, parce que là, ce serait un peu plat, en fait. Trois pierres sur la troisième ligne. Ok, l'ancien Joseki. C'est cool le coin, mais en même temps, il a un Hoshi derrière. Il prend une force quand même. Il est solide là, donc sur le centre, c'est plus facile. Je me demande si ça peut être pas être intéressant de penser tout de suite. Et en même temps, s'il joue C9, non, il y aura un écrasement, c'est facile, assez évident. Peut-être qu'il jouera en quatrième ligne du coup. Ou pas. Ok. Justement, du fait de cet écrasement en D10, ça me donne envie de venir au Sensen. Parce que même s'il fait un mur, c'est vachement réductible. Et on est solide partout. Puis les coins, c'est cool. Normalement, E16 là. Ou ça, oui. On va juste avancer. Faudrait partir sur E16. Et on va là. C'est pas Josie qui ça par contre. Ouais. Bah, je pense que là tout le monde est d'accord pour éviter le truc de super compliqué. À notre niveau, je pense que c'est trop risqué de faire ça. C'est bizarre, enfin, quand même. Mais je pense que je vais rajouter. Ça menace un. Avant, l'Atari est sympa, mais voilà, bon, c'est dans le Joseki. Là, le double année, ça fait écrasement plus que force.
Du coup, je vois ça comme des coups un peu MIAI, une protection de D10 ou HT7. Ouais, je pense que le pousser donne envie. Je pense que c'est juste la théorie du pouce-pouce, là. Faut pas qu'il soit sente en descendant, c'est surtout ça. Et maintenant, c'est trop chiant parce qu'il a envie de jouer à H17. Il sait qu'un jour il y aura le pip ici. Il y a le coup en D10. Si vous voulez développer son bord un peu plus, vous pouvez faire le B17, je protège et il vient en E18. Hein. Tac, tac, et double gueule du tigre ici. Ouais, mais il y avait quand même ça. Après, s'il aime bien le fight, ça peut être cool aussi. Bon, en tout cas, je fais pas beaucoup de points non plus, hein, mais il faut qu'il rajoute un coup. Sinon, là, ça commence à faire du quelque chose. Ce qui est bien, c'est qu'en se rapprochant de ça, c'est quand même... ça consolide ses pierres. Ouais, c'est beaucoup d'arguments pour qu'il rajoute H17, quand même. S'il joue H17, la question c'est est-ce qu'on joue en D10 directement? C'est tentant, c'est très tentant quand même. Ou Q6 m'attire pas mal aussi. Et en même temps, Q6, il y a la bonne séquence du, par exemple, D8, C8, et moi je fais D6 pour créer un départ de Moyo, quoi. Ok, il l'a joué, du coup. Il faut que je remette le son, par contre, je l'avais retiré tout à l'heure. On peut mettre un peu. On verra si c'est trop fort ou pas. Ouais, c'est des options, je pense. Vraiment, finir en Q6 direct ou taper D8 ou D10. Si je fais mon coin, qu'est-ce qu'il peut faire ici pour bien fermer tranquille? C'est pas évident de fermer joliment là. Au Gemma comme ça. Ouais, je suis bien plus tenté aussi par le D10. Hein. Ah toi tu rentres carrément genre C12. Après je peux aussi viser des coups D12, des trucs genre. Pour pas trop me faire enfermer, mais en même temps ça coupe tout ça. Je vais rester sur ma première intuition. Et j'ai vu du coup en cliquant que c'était pas si fort que ça, je vais peut-être rajouter un petit peu. Ouais, ça va. Tac tac tac. Surtout que sur YouTube, en fait, derrière. Sur YouTube et sur la voix de Twitch, ça. Il n'y aura plus la musique pour éviter tous les strikes de droits d'auteur, tout ça. Du coup, il faut quand même qu'il y ait un minimum de son de pierre, tout ça, pour le rythme, tout ça. Salut Goshi, comment tu vas? Toby. S'il monte, on monte. S'il coupe, on joue léger. Tac, tac, tac. Moi, ça va, merci. Ça va, ça va. Chaud comme la braise. Tu redémarres à zéro les blagues, du coup? 60... Non, solide. Pas besoin de faire compliqué. Ouais, elle est bien, elle est bien. J'ai essayé de faire un petit jeu de mots moi aussi là sur le titre du stream. Ah.
Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, c'est assez discret, je crois. Merci, merci. C'est tout moi. Ça sert à rien de faire la coupe là, tac. Et après de tac, y aller là, ça sert à rien. Pour le moment en tout cas. C'est ça. Trame de goût. De bon goût. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? En vrai, il tourne ici peut-être. J'aurais fait la réduction et je prendrais un petit peu de l'idée de base aussi de construire quelque chose là. Même si c'est presque évident pour lui de sauter là, hein, ou de faire le année, mais. Je gagne quand même de la force, le Magari il est pas mal. Comme dit Delizotti, Magari 1000$. Faut tourner. Je disais, est-ce qu'il faut foncer dedans? Mais en même temps, ça, garder cette menace, c'est pas mal. Et ça serait lent pour lui de connecter directement. Indirectement, le 29, là, il attaque la coupe. On tire une liberté. Ah, qu'imaginons, il fait année là. Je me demande si on peut pas couper. Parce que si Fatari de ce côté, ben, il est coupé. Et si Fatari en E7, on peut couper. Je crois. Ou... Bon, bah, de toute façon, ça se passe pas. On va éviter qu'il prenne une trop belle forme ici. Donc, soit un Obi en F8. C'est le coup basique. Après, un petit Geta, Geta, un petit Kema. Ça pourrait être pas mal. Parce que s'il vient ici, tac, on a le Chicho. On a le Chicho. Bien sûr qu'on a le Chicho. Donc c'est peut-être un peu plus rapide. Et on construit quelque chose. Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui se passe? La musique s'arrête, je sais pas pourquoi. Elle est trop forte la musique. Je crois que c'est pas mal 32. Je peux pas couper. Ah, moi quand ça a coupé, vous ça a mis à fond. C'est parce que j'ai un programme particulier, Voice Meter Potato, pour équilibrer les sons, musique, ma voix, tout ça. Et surtout séparer les pistes audio. Et comme ça a mis pause sur ça, c'est reparti sur les trucs du PC. Et ça doit être à fond, c'est pour ça. Désolé. Faut que je calcule ça. Voilà, ça va, on a 6 heures tranquille, mais. En fait, ils font une pause à chaque fois, parce que comme c'est la version gratuite, ils font une pause exprès pour dire n'oubliez pas de payer. De donner. Ouais. C'est pas agréable ça. Ouais, il me capture tout simplement avec ça. Ouais, j'ai fait une erreur. Ah, pas agréable. C'est moche comme forme du coup que je vais faire.
Est-ce qu'il n'y a pas des faiblesses dans cette forme? Combien de temps il me reste? 10 minutes. Je sais pas, parce qu'en même temps, si je viens là, je peux juste séparer et mes pierres, elles ont l'air con. Ouais, 31, c'est pas très bon du coup. On va faire ça quand même. On va faire ça quand même. Elle est là. Et ici. Ça va vite finir en bio. Ouais, mais je fais toujours ça, moi. Je finis toujours en biomie. Ici, il y a pas mal de trucs, là, en jouant le 37, je l'avais pas lu avant. Parce que quand il fait ça, la séquence, il finirait en Atari ici, tac. Atari, il y a des trucs là pour faire chier. Ça finit en fight quoi. Il fait Atari là, il me fait faire un angle vide, et après il sort, je sais pas comment. Mais moi j'ai un pâté. J'ai un pâté. Ouais, l'Atari ici. On déforme, puis il joue ailleurs. La musique là. Toujours est-il de... A changé. Il préfère jouer ça d'abord. D'accord. C'est marrant parce que ça me met moins de pression directement. Je sais pas quoi faire. Faut que je m'occupe de ça, j'imagine quand même, hein. Il n'y a plus que du pain. Il n'a plus que du pain. Ok. Bonsoir New, comment ça va? Et continuant à H7, bah il va juste continuer, c'est pas très beau pour moi. Et en même temps, je construis sur le téléphone. Ça va, merci moi aussi. Ouais, ça s'est bien passé, ouais, j'avais le deuxième tour du championnat de France, à Rennes. C'était Ligue de Gold West. J'ai fait 2 sur 4, donc je suis content, les objectifs sont atteints. Comme je disais, mes deux défaites, c'est contre 4 Dan FFG et 3 Dan FFG. Comme c'est des parties à égalité, je suis 2Q. Bon. Alors que je suis pas mécontent.
Ouais, c'est nickel. Bon, je suis pas convaincu de ma séquence là par contre, mais bon. Je peux pas laisser d'année. Et lui, il peut pas laisser une coupe, donc maintenant, je pense que ça va. Il manque. Ah d'accord. Donc si était, il manque plus que du pain. Comment ça? Du coup, j'ai pas compris. C'est nul comme résultat. Pour noir? Ouais, c'est vraiment pas fou. Ouais. Pour le pâté. Ah! Ok. Ouais, c'est pas fou pour noir, hein, franchement. Je sais pas trop ce que je vais en faire de ce truc. On va prendre ça. Ouais, j'ai merdé le Kema, je pense. Du coup, il avait l'air bien pourtant. Bon, de toute manière, j'aurais que le coin, donc autant prendre le max. Y a pas un truc avec Q4? Je sais plus. Je crois qu'il y a quelque chose avec Q4. Il aime bien ces formes-là. Hein. Tac, tac, tac. Si, il y a un truc, mais la séquence par contre. Donc il y avait un truc. Le Kema était pas mauvais, mais la séquence que j'ai fournie derrière, ouais, c'était nul. Ok. Ah non, le Q4, pardon, oui. On mêle. Ouais, mais oui, j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait. Mais c'était. Selon chaque réponse, il y avait 36 000 variantes. C'est hyper compliqué. Mais oui, il y a bien un truc. Ah, ça donne tellement envie de couper. Mais là, oui, c'est réveillé tout l'adji dans le coin. Et en même temps, attaquer les pierres, je sais pas. Non, c'est mauvais. C'est très mauvais de couper. Que faire maintenant? Je retirerai la base de vie. Ça me semble correct. En vrai, c'est chez lui, donc j'ai rien à perdre de venir faire chier. Bizarre ce coup 60. Ça réveille presque la coupe. Noir, blanc, noir. Presque. On va tourner ici. Ça menace à la fois là et à la fois la coupe, j'ai l'impression. Ensuite, bon, on s'est fait un joli coin du coup. Ici aussi, on a toujours ça. Alors, on a un beau truc. J'ai envie d'aller en Q18. Mais on voit bien la fermeture par ici qui fait pas mal. Donc peut-être que je vais juste. Juste avancer tranquillement. Même peut-être un Toby. Je sais pas. Soit Nick and Toby, soit Toby. Oh, ça devrait aller quand même. Et les chances qu'ils prennent ces points.
Peut-être d'abord FP17. Ah, j'aurais peut-être fait FP17 à sa place d'abord. Allez, on va prendre ici. Niveau pont, on est pas mal, je pense. On va peut-être pas faire le con, on a un groupe qui le statut est encore discutable ici. On va peut-être pas faire les kékés à prendre le coin et dire oh, ça, ça ira. On n'a pas l'air en retard donc. Ah ouais, t'aurais joué en 68 toi, pour prendre la pierre. Et après, ah merde, ces pierres sont séparées. Parce qu'il y avait toujours peut-être la connexion ici, des trucs genre, mais pff, c'est chaud de jouer comme ça. Là, le blanc aurait une force sur le centre pour attaquer. On va plutôt profiter de la situation ici avant qu'il renforce trop. Oh, je l'ai. Bonsoir, Crow. Comment tu vas? Ok, ça roule. Blanc a pas beaucoup de points. Ouais, blanc a pas trop de points. Ouais. Donc là, on va juste essayer de gagner la force. Anéantir les espoirs de points pour blanc ici. Ça peut être pas mal. Et essayer d'avoir un bon yossé. Il y a peut-être la coupe quand même. Peut-être éteint un peu vite. Ah, j'ai éteint un peu vite là. Oups. C'est pas fou en fait. De la tarée d'abord. Ouais, j'aurais dû la tarée d'abord parce que là rien n'empêche de monter. Même s'il y a ça, important pour lui c'est d'attaquer, d'essayer de rattraper le retard. Ah, je fais la merde. Hein. Ok, il protège quand même. Un peu de réussite. On a quand même du bon yossé, hein. On a ça, là je me demande s'il n'y a pas des trucs en vrai. En jouant là, il bloque, on va ici. Ici aussi, il y a peut-être des petites choses, mais avec le groupe au centre c'est plus compliqué. On va plutôt renforcer un peu tout ça. En jouant là par exemple. Ça menace de faire la belle forme ici. Et puis ça respire un peu quand même. Ok. Très tentant cette coupe, mais elle est pas bonne. Il va là, je vais là, il prend chichou. On peut jouer ici, par contre. Ouais. On peut jouer ici. Ça menace énormément la coupe. Ok, du coup il fait ça.
C'est intéressant. Ouais, ça a l'air drôle de faire du R13 ou du Q13 là. Je suis en train de lire ça. Ah, j'entends Biomi par contre, c'est perdre 60 secondes, ça va. Ça a l'air bien marrant quand même. En vrai, ça a l'air marrant. Ouais. Il y a pas mal de trucs. En jouant Q12. C'est pas mal de problèmes. Qu'on a le droit de connecter s'il descend ici. Ouais, il y aurait descente. S'il veut vraiment couper, il y aurait la descente. Ça ne marche pas. Donc il descend, on fait Atari. Et on va là, et c'est 3 libertés contre 4. Même ce coup-là qui pourrait bien faire chier. Plein de coupes. Ouais, c'est chiant là, parce que ça ne marche pas, je connecte, ça ne marche pas, je connecte. S'il joue ici, on joue d'abord là, et s'il veut vraiment couper, on fait Atari. S'il protège sa pierre, on va là, c'est fini. Donc il pousserait là, mais on sort. Et là, il y aurait de tous les côtés, c'est la débandade, quoi. Donc il y a la descente. Encore une fois, il y a l'atterri. Donc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Une position facile. Ok, il décide de connecter. C'est très tentant ce petit coup. S'il me coupe, on coupe ici, donc il va connecter. Non, c'est pas une bonne idée de faire ça. On va juste connecter. Si je vais là, on a l'impression qu'il va jouer là. Maintenant, il peut jouer des trucs bien plus chiants. Ça sert à rien de le renforcer trop facilement. Ok. On va juste consolider. On a déjà eu un sacré gain. Là, on n'a pas de points. Hein. Il a là, là. C'est compliqué. On va ici. Petit coup de forme. Ça menace de connecter ici, de sortir en Kema vers le haut. En K15. Donc, c'est la forme. Peut pas couper. Ça aurait été un peu mou de connecter. Il aurait pu venir directement en K18 lui-même si j'avais connecté en M17. Ok, ça roule. Ben, merci du coup et bonne soirée. Il essaie de connecter rapidement. Ok. C'est vrai qu'il y avait des coups assez chiants avec N13 par exemple. Bon, on a déjà eu un gain. On n'oublie pas ça. Quand on a joué H13, c'était pour jouer ça, notamment. Ok.
Ce Toby semble intéressant. Il entre vraiment dans sa formation alors qu'il a vraiment pas besoin de ça là. S'il push comme ça, on rentre facilement dans le pas d'éléphant. Ok. C'est joli. Bon, on va finir par protéger quand même ce truc. Pour être sûr d'être vivant partout. J'ai pas de bon coup pour défendre. Le problème, c'est que si je force trop dedans pour faire après un kikashi et renforcer, ça retire une liberté ce truc-là. Et je me demande ce qui se passe ici. Tac, tac, tac. Ça a l'air d'aller. Ah, d'abord, on va plutôt taper comme ça. En fait. Au lieu de faire une forme dégueulasse. Des chances qu'il connecte ici ou alors qu'il tente quelque chose là, mais ça a l'air compliqué. Ou aucun des deux. Bon, on va quand même servir de 109 pour fermer ce truc. On a se couper ici. Et le K9 est-il envisageable? Il aurait pas le choix de faire K10. Je monte. Il push ici. On coupe. Il nous coupe. On fait Atari là. J'ai l'impression que ça passe bien. J'ai l'impression que ça passe. Il nous resterait deux libertés. C'est le bordel. Hein. Du coup, il jouerait J11, je viens en M9. On peut faire la séquence suivante, touche capture, tac, tac, tac. Il y aurait la coupe ici. Et là, en plus, quand il descend, en fait, je descends et c'est compliqué. Rien ne m'empêche de partir aussi. Il y a une coupe ici et ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai plus que deux périodes, il faut que je fasse attention. Est-ce que j'ai le droit de couper direct? Non. Non. Par contre, je peux aller là. Comme ça, le chicho ne marche plus. Et on retire une liberté. Ok. Mmh.
marche pas très bien, ça. Ça, c'est pas fou. En fait, il faut surtout retirer une liberté, tout simplement. Comme ça, quand il sort, c'est... il y a encore un Atari. Si je viens ici, et qu'il connecte, et que je coupe, je peux sortir là... Compliqué, peut-être que je coupe tout de suite. C'est pas si mal de couper tout de suite. Pas être trop gourmand, parce que en plus il pourra pas forcément bien finir cette séquence, car il y a la coupe ici qui peut être chiante. Bon, on prend les pierres, comme ça il n'y a plus de soucis. Il a là, mais il a la sortie là. En même temps, ces deux pierres, ils viennent les jouer, donc s'ils ne connectent pas là, ça fait bizarre. Ouais, non, ça va pas être tuable, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va poser un coup de sonde, puis couper. Parce que là, il y a encore des questions aussi. Ça, c'est gros, mais je pense qu'il y a mieux pour l'instant. De toute manière, on est vivant, il peut pas couper. Bon, on va me forcer là, en fait. Et on coupe. Pas mal de questions dans cette partie. Ok, il connecte en dur. On vient ici. Il faut quand même gagner une de liberté. Parce que maintenant, quand il vient là, ça va. Non, y'a rien. Y'a rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On joue l'IEC? Du coup, comme ça. S'il nous coupe, on vient en K2. Ouais, c'est chiant pour lui, ça aussi. Tac, H2, on va en K2. Ah, il connecte, je sais pas. Atari. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. On va laisser ça. Ensuite, on a ça qui est très gros. Et on a la menace ici, en fait. Ça menace de faire des séquences par là. Parce que ici, on l'empêche de faire un œil. Je sais pas comment ça se passe ici. Tac. Bon, il y a l'air d'avoir assez de place quand même. Mais bon. On va prendre ça. C'est gros.
On va juste mettre le dernier coup. On a un beau Yossé là. On aimerait presque avoir le H18. Ouais, je sais pas. Non, ouais, ça c'est gros. Oui, bon, on connecte. C'est pas mal de connecter au-dessous, non? C'est pas beau, mais... Ça sauvera quelques points plus tard. Tac, tac. Il pousse ici, ok. Il pousse là, je dois connecter là. Du coup, il coupe ici, Atari, je vais là. Mais de toute manière, il y en a ici. Enfin, ici, quoi. En plus, il se retire indirectement une liberté. Il va jouer là. Je pense que ça valait le coup, ça a sauvé tous les petits points ici. Ça coupe juste deux groupes, mais en soi, je perds un point, quoi. Ouais, c'était urgent. C'est urgent, ça. J'ai rien de mieux à faire. Il y aura des trucs ici, hein. Ça serait, c'est pas clair, des coups comme P7. C'est pas clair, clair. En même temps, ici, ici, jusque-là, ça, la séquence aura vraiment servi à rien, pour le coup. Et séquence ici, tac tac tac. Je sais pas. Faut que je fasse attention. Hein. Il y a une glissade ici, il en a atterri là, effectivement. Ah, ça aurait été pas mal de faire H1. Ça menace de faire l'Atari, tac, puis prendre. Donc je suis obligé de connecter. Et après, il peut glisser vraiment loin grâce à sa descente. Ça aurait été pas mal. Je suis bête, en fait, ça revient même. Et là, il peut aller... Ah. Bon, ça, ça... Oui, ça sert pas à grand-chose, je pense. Il monte, on bloque. Sûrement faire ça. Un tout petit peu baisser le niveau de la musique. Hop. Ok. Il y a quelque chose à faire ici. Tac, tac. On va pousser ici. Est-ce qu'il y a quelque chose s'il pousse là? Ça semble compliqué avec ces pierres en fait. Il y a la menace de capturer ou de faire deux yeux, donc ça va. Pouf pouf pouf. Je pense que je vais proposer de protéger un peu ce qui se passe ici. Comme ça, solide, bambou. J'avais hésité avec O7, mais ça protégeait pas vraiment, forcément. Ok.
Il y a toujours ça, oui. Mais ça va, maintenant j'ai moins peur de pousser. Ok. Ouais, il vise des. Oui. Maintenant qu'il a retiré ça, là, quand il a joué ici, je me suis dit, ouais, il faut que je connecte. On sait jamais avec la descente, les trucs. Et maintenant, avec le 209, il n'y a plus besoin. C'est chouette. Il connecte direct. Ok. Pouf. Que fait-on? Ouais, il n'y a plus grand chose, hein. C'est une fois ici. On risque pas grand chose. Tac, tac, ici. Ouais, on risque rien. Donc il faut juste faire des sentés. Ça, c'est pas forcément senté. Parce que si je pousse une deuxième fois, il bloque. Ça. Celui-là, il n'est pas vraiment santé parce que je perdrai ma pierre. Celui-là, bon, c'est un mauvais santé parce que après il descend et je perds un point. Il y aura des questions intéressantes ici. Ouais, je peux peut-être me faire quelques points ici. N13. S'il connecte là. Ouais, je sais pas, il y avait peut-être des trucs là. Ouais. Ok. Atari. Quoi donc? Quoi d'autre? À sauver des pierres par ici, ça peut être pas si mal. Atari. Et est-ce que ça, j'ai le droit? Tac. Si Fatari là, tac, il capture tout. Ah, une connexion un peu plus moche, mais ça passe mieux. Il aura pas de point ici. Là, il n'y a pas de point. Il faudra qu'il fasse gaffe. Là, à la suite, avec ses trois pierres, il y a encore. J'ai oublié le terme. Mais il devra jouer pas mal dans son territoire. C'est pas Yutoshi, c'est. Ah, j'ai oublié le terme. Oui, ici on peut vivre. Il pousse ici, je vais là, il descend, je vais là, ok. Est-ce que j'ai quelque chose de santé? Là, c'est un point. C'est un point. Enfin, ça en vaut deux, on va dire. Pouf. Ah, il y a Tari. Et il y a ça. Il est pas mal celui-là. Allez. Ça va, je suis vivant. J'ai eu peur pendant 2 secondes.
Grâce aux libertés extérieures, je suis vivant, en fait, je crois. Sinon, il y avait un co. J'ai l'impression. Si je joue là, je joue là. Je viens là. Si je joue ici, je viens là, il descend, je vais là. Ouais, ça va grâce aux libertés extérieures. Quoi. Et il est toujours pas fini sur temps principal, lui. On vient ici, on crée son œil. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'atterrier là. On a ça. Le pouce ici. La première ligne ici. Oui, bon, on peut connecter. On a ça, ça. Ici, il y aura quelques petites histoires à régler. C'est à peu près tout. Oh, c'est déjà pas mal. Ok. Il prend tous ses 7D, c'est normal. Pousse ici. Qu'est-ce qu'il a comme santé lui? Que ça c'est goûté pour lui, goûté. 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 Bon il a ça. Ouais, bon je peux pas faire de points. En plus c'est dangereux si je fais ça, qui fait Atari, je vais là. Ah non, c'est pas la forme, ça ressemblait à la forme où j'ai une pierre ici. Tac, tac. Ça change rien que je joue pas. Tac, 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 tac. Ça change. Il y aura pas de points de toute façon. Donc, Atari. Faut faire attention à mes libertés ici quand même. Ouais, ça commence que maintenant lui. Ici. Il faudra rajouter un ou deux coups, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres ici? Y'a rien. Trois libertés, ça suffit pour l'instant encore. Tac, tac. Faut deux. Il m'en faut deux. Il a un point ici. Bien joué. Oh, elle est marrante celle-là. Ne t'avoue pas vaincu. Qu'est-ce qu'il me reste? On va faire l'Atari ici. On essaie de faire un point là. Et s'il vient là, on fait ça. C'est quand même une bonne menace. Je pense qu'il faut qu'il capture, ouais. Très étrange. Oh, il vaut mieux trouver tout seul. Est-ce que ça sert que je joue là en fait? Non, il faut que je joue ici. Il protège. Et en même temps, si je joue là. Et après quand je joue là, il rajoutera un coup et un coup ici. Non, il y aura rien de spécial. Non, j'ai rien de spécial. Je me fais un point de plus, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est santé. Faudrait que je rajoute un coup ici.
Et ça semble être tout. Parce qu'ici, je n'aurais pas le. Je fais pas de points. Il faudra que j'ajoute un coup ici. Non. Non, pas du tout. Mais oh. Ici, je peux pas faire de points. Donc, il y a que ça. Ah, en jouant ici, il y a le B8. Faudrait qu'il rajoute un coup. Mais. Ah, j'ai droit. J'ai droit, j'ai droit. Tac, noir, blanc, noir. Encore de liberté. Ça va, ça va. Et lui, B8, il me semble qu'il y a quelque chose. S'il connecte, coupe. Et s'il connecte ici, on vient là et on a plus de liberté. Donc ouais, il faut absolument qu'il joue ici. C'est toujours un point encore, ça fait 2 points de différence déjà. Oui, mais il a la liberté là. Non, ça marche pas tout de suite. Mais il devra le faire plus tard. Bon, on va protéger ça. Donc moi, je dois rajouter un coup ici et lui, il doit rajouter un coup ici. Si je coupe direct. S'il fait Atari de ce sens, c'est le drame. S'il fait Atari de ce sens, je viens là. Il doit capturer, je fais Atari. C'est dur. C'est fini. C'était long, j'ai hésité. Non, bah, j'ai déjà lu ça, je suis con. Bon, il a tenté des trucs, c'est normal. Comme il était en retard, c'est normal. Oh, elle était longue celle-là. Ouf. Bon, c'est cool d'en gagner une. La dernière fois, j'ai tout perdu, donc c'est cool d'en gagner une. Défait tournoi. Ouais, déjà. Voilà, en fait, il doit rajouter un coup ici. Bon, on va faire ça. Tac. Il doit rajouter un coup ici, voilà. Et je gagne de 13,5. Ouais, c'est ça, là je remonte la pente, on va dire. Si on peut contrebalancer un peu l'autre soirée. Ouais. Pas compliqué son coup ici. Est-ce qu'on revoit la partie? Est-ce qu'on passe à la suivante? Je sais pas. Peut-être la revoir un petit peu. Je regarde juste ça aussi. Hop. Alors on est comment? Ah, c'est équitable, on est 11 victoires pour passer 5 Dan et 9 défaites pour passer. Ça se passe comment d'ailleurs si on arrive à. Si je fais 10 victoires par exemple, et que je fais 8 défaites. C'est vraiment je gagne une, je monte d'un niveau, ou je perds une, je descends d'un niveau? C'est bizarre. Hop, on va la revoir un petit peu. Ouais, là déjà c'est bizarre ça. Qui vient ailleurs, qui vient ailleurs. Pas besoin. Ou alors, je sais pas. Je sais pas, un truc comme ça. S'il veut vraiment son influence, mais bon, il reste quand même ça. Je sais pas si du coup, afin de préparer ça, il devait peut-être jouer là. Pour donner moins envie d'aller dans le. Dans le Sansan. Et imaginons, voilà, quelque chose comme ça, ben. Ou même, bon, voilà, on va dire que c'est le même Joseki. C'est pas mal. C'est pas mal.
Par moment, ça recalcule, j'ai eu le cas à mon niveau. J'étais deux défaites de la descente, puis je me suis retrouvé à être. D'accord, ok. C'est calculé sur une série de tailles fixes de manière incrémentale. Ok. C'est calculé temps réel ou un peu comme KGS tous les jours? En tout cas, c'est logique, oui, j'imagine, tu peux pas te retrouver avec aussi proche des deux niveaux, oui. La descente et de la montée. Ouais, ici, là, je pense qu'il aurait trouvé plus agréable la situation. J'aurais peut-être pas été au Sansan d'ailleurs. Déjà, comme je sais qu'il veut absolument ce côté-là, peut-être que j'aurais été là. Mais c'est peut-être pas très bon. Là, je suis vachement écrasé en fait. S'il suffit qu'il rajoute un coup, moi j'ai ça, mais bon, moi-même je peux me prendre des coups d'écrasement quoi. Ah. Peut-être que peut-être qu'il n'y a pas le choix et je dois aller dedans et. Enfin, un petit truc tranquille quoi. On menace le point C8, voilà. Il y a toujours le point E18 aussi, ou C17, voilà, etc. Ok. Ensuite. Ouais, du coup, c'est pas très bon pour lui d'avoir continué. Il donne le Sente. Il monte ici, je monte. Je voulais vérifier s'il voulait aller dedans ou pas. J'aurais fait un coup comme ça, peut-être. Léger. Ou ça, j'imagine. Je vais juste faire la réduction, quoi. Mais bon, on connecte, du coup. On accepte. Et ça, il n'y avait rien. Hein. Tac, 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 tac. Je vois pas trop ce que je peux. Ou alors, je fais ça et puis je coupe. Ah, puis je fais ça. Et là, quand il y a cette séquence. Qu'on a fait ça et ça. Je suis pas sûr qu'il puisse se permettre. Enfin, je suis même sûr que non, en fait. Donc il aurait fait comme dans la partie. Ouais, mais j'ai rien. Ça marche pas très bien. Il peut pas couper, il va là. On fait quoi? Non, c'est pas fou. Peut-être qu'on va là. Il sort, on va là. Ouais, mais on abandonne un peu ses pierres, c'est pas très bon. Je sais pas. Non, pas top du coup. Peut-être aller dedans du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, y a rien. Il n'y avait rien. Comment on pouvait faire quelque chose par là? Parce que là, dans la partie, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est mal passé. Ouais, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vois pas trop. Ah, il marche bien ce coup. Ça a l'air de bien marcher. Si c'est un pourcentage de victoire, défaite sur 18 matchs, c'est les 18 derniers matchs que tu as joué. Ok, d'accord. Ouais, en fait, je dois sûrement. Si je fais ça, il monte. Ça revient à la même chose.
Si je fais ça. Ah, je peux rien faire de spécial. Je peux pas couper. Enfin. Non. Non, non, y'a rien. Ici, là, bah, cette séquence, oui. Celle-là dont tu parles, Gauchy. Avant. Ah, couper ici. Non, il descend. Il descend. Ouais, c'est chiant qu'il n'y ait pas les coordonnées à gauche et en haut, puisque là, c'est plus dur de se repérer. Et ça marche pas, je pense, encore ça. Rien. Il est peinard. E8, c'est ça. Ouais. Non, non, ça marche pas bien. Ouais. Donc ouais, moi je vois ça. Et là, la coupe, quoi. Et là, on le fait, quoi. Mais on a donné beaucoup. Juste pour couper. Au pire, il s'en fout. Enfin non, peut-être pas. Il fait ça, je coupe et il sort. Voilà, par exemple. Ça, il prend les pierres quand même. Ouais, ça sent pas ouf. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ici? Vraiment, je suis intrigué, du coup. Je dois sauter. Partir. Je pensais que ce coup était bon. J'ai vraiment pas envie de laisser la gueule de tigre, quoi. Ou alors je fais un Kozumi tout simplement, mais il peut sortir aussi, non? Peut-être que j'aurais dû faire ça du coup. Par exemple, une séquence comme ça. Mais ça donne beaucoup. Et moi, c'est rien n'est sûr. Donc sûrement plus loin, et c'est du fight. Comme disait d'ailleurs ODD, je crois, tout à l'heure, qui disait qu'il rentrait dedans, lui, directement. Alors, ensuite, on a eu quoi? On a eu ça. C'était vraiment pas bon comme séquence pour moi. Mais en même temps, il se fait pas tant que ça de points. Il y a beaucoup de faiblesses qui se construisent ici. Et je pense que je dois aller là. On a vu plus tard dans la partie que c'était un peu compliqué pour moi. Ou alors je viens directement ici, du coup. Je viens directement par là et. S'il veut descendre, fondre son truc, ben. On est content. Et s'il pince. On a la marge, on est solide à peu près partout, donc ça va. Il faudra qu'il revienne défendre un jour ou l'autre. Aussi bien il fait ça, et là... Ouais, on recule. Non, c'était sûrement plus sage de faire ça. On n'est pas en retard, je pense. Ouais, c'est égalité. C'est égalité, mais moi j'ai plus de points purs, et je préfère. On peut venir par là, faire chier. On avait un meilleur UC en fait. Ici, ouais, je sais pas, j'ai cru voir quelque chose, mais c'était pas très bon en fait. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ici? Tac, tac, tac. Est-ce que ça marche mieux? On aurait fait ça. Tac. Non, là, ça marche pas très bien pour lui. Donc, c'est pas très bon de faire ça pour lui. Il fait ça. On pousse. Est-ce qu'il peut couper? Ouais, non, pas trop.
Ouais, c'était sûrement mieux, plus léger le 1 du coup. C'est mieux, c'est mieux. Hop, hop, hop. Ici, on se fait couper du coup et on donne pas mal, même si on a vu plus tard, il y a eu la G grâce au G15. Ici aussi, là, c'était bizarre. Son P12. Parce que grâce à notre coup en Q9, on a beaucoup de potentiel. Du coup, on vient là. Ça menace beaucoup de choses. Vous voyez, hein, maintenant. S'il connecte, on connecte. Bon, bien sûr, là, on connecte aussi. On se donnerait peut-être le privilège de faire le l'atterri d'abord. S'il vient en obi, on vient là. Même histoire. Ou il nous pousse, mais on est sorti et. Ah, c'est la débandade. Et s'il descend, il y a. Non, on irait là. Mais c'est pas évident. Ouais, non, on pousse là. C'est fini. Il coupe, mais. Non, il aurait pas le temps. Il a pas le temps de s'amuser à faire ça avec le coin qui demande la vie. Donc c'est compliqué. Donc il me laisse connecter. Il préfère être solitaire avec soeur. Je pense qu'il a eu raison. C'était pas mal ces connexions. Mais là, comme je suis en avance, j'ai juste à réduire, à faire des petits points. Ici, j'ai peut-être été gourmand. Il y a sûrement des séquences plus simples. Rien que ça, en fait, tout simplement. Ouais. S'il tape là au milieu, c'est compliqué en vrai. On vient là et. C'est chaud de sortir en vrai. Je vois pas comment. On fait ça, tac, tac, atterri. Atterri. Ouais, bon, il peut faire ça, quoi, mais bon, ça donne des points. C'est pas fou. On a toujours des coups de farm un peu ça, il doit connecter. Et nous, on protège notre farm et. Je pense que Noir est content. Noir est devant. Ouais, large. Donc ça va trop gourmand. Rester. J'avais pas besoin. Lancer du combat alors qu'il est en retard, c'est pas très malin. Y a pas quelque chose ici? Tac, tac. Je peux pas sortir. Hein. Je suis mort ici. J'ai eu de la chance. Ah, c'était vraiment pas une bonne idée de lancer du combat ici. Et du coup, là, il faut que je continue. Tout droit. S'il connecte. Je pense que je peux tourner. Du coup. Ah, ouais, c'était vraiment une bêtise. Du coup, c'est vraiment ce coup n'est pas nécessaire. L11. Ok. Et ensuite, bon, la partie. C'est du EC. Ok. Ok. Oh. On va retourner là. Et je vais m'arrêter là, en fait, déjà. Parce que. Ah, j'ai pas eu les notifs de follow. Mince. Ça s'affichait sur le stream? J'ai même pas fait gaffe. Y a pas eu le son. Ouais, merci à toi, Goshi, d'être venu. Juste dernière question. Y a eu le son pour le follow? Ouais, j'ai rien vu, c'est bizarre. Je comprends pas. On va le relancer pour voir. Ouais, voilà, je relance. Bah, merci à toi, Théalco, du coup, pour le follow. Désolé, je sais pas pourquoi ça n'a pas lancé. Bizarre. Normalement, il y a un joli petit truc. Ouais, merci à toi et bienvenue. Et ouais, je vais m'arrêter là. Enfin, j'ai joué au Go To Weekend, donc je vais tranquille. On va se retrouver jeudi à 16h. On fera un peu plus de parties. Je pense que
S'il y en a qui sont motivés de faire des petites drain go jeudi, ça peut être sympa, ça peut changer un peu. S'il y en a qui veulent jouer. Allez, bonne soirée à tous. Salut.